Eh bien bonjour tout le monde, c'est Skydiz! Comment ça va les amis? Eh bien écoutez, moi je vais très très bien. Aujourd'hui, pardon, on se retrouve pour l'épisode 8 de Final Fantasy XIII-2. Notre épopée sur Final Fantasy XIII-2, sur la série FF13 en général. On a fait une 13, on parle sur du 13-2. Ah, ça fait du bien. Et je suis très content parce qu'on avance bien dans le jeu. Et je vous ai laissé avant... Comment dire, je vous avais laissé dans un moment où normalement, bah il y a une suite là, en plus c'est un boss de fin si je me rappelle bien. Mais bon, je me suis dit la vidéo durait déjà assez longtemps, et du coup je l'ai arrêté un peu avant. On est déjà à 10 heures de jeu, hein, ça va aller très vite FF13, pas comme le 13 là, bon on va pas, ça sert à rien de vous résumer parce que vous avez déjà vu la vidéo d'avant. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo d'avant, et si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, je vous invite à aller voir d'autres vidéos d'avant, et si vous n'avez pas vu la série d'avant, allez voir l'autre série d'avant qui est FF13. On souffle. Donc on était là, voilà. Non, on était où? Mon dieu, je crois que c'est là. De toute façon, il y a juste deux trucs. Voilà, on évite les cerceaux. Ça va être de l'e-sport, hein, mes amis. Hein. En e-sport, on évite les cerceaux de FF13-2. Moi, je pense que je gagnerai. Hein, franchement, j'ai toutes mes chances. Voilà. Alors moi, je suis vraiment trop fort. Regardez-moi ça. Regarde. Oh là là. Oh, c'était esquive. Oh, par le côté. Oh, il veut me berner. Et non, tu ne m'auras pas. Faut faire vraiment de l'e-sport dessus. Hein. Moi, je trouve que. Hop, voilà, j'évite. J'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé ça super cachant, il y en a plein qui font ça. Voilà, j'ai évité et tout, voilà. Trop fort. Donc, oui, c'était là. Bon, bah voilà, super. Donc, oui, on s'était laissé là, je me rappelle très bien. Dui. Pluie de vise. Oui, tu as raison, c'est beaucoup mieux. Pardon? Oula! Ah, mais c'est. Téléportation! Hey, that girl! Isn't that Alyssa? What's she doing in this time period? She does look like Alyssa, but it can't be her. Oui, c'est clair, c'est pas être elle. On va voir ça. Salut, copine! Nice to meet you. Nice mais, to meet you. Elle nous connaît pas. She doesn't know who we are. I guess she's not Alyssa after all. Hmm. Alyssa? We used to know a girl who looked like you. But that was a long time ago now. Ah, my apologies. I must recalibrate my previous greeting. It appears that you are acquainted with the original. Original? I am a duplicate of the Alyssa Zydell entity. My design is based on her biophysical data. She's a machine. A fabricated life form. Or a living machine. The semantics are irrelevant. Comment ça on voit? Donc comme le boss est dans pas trop longtemps, je sais pas si j'ai. Si j'ai évolué mes persos. Alors voyons voir. Hop, Sarah. Bah non, pas du tout, bon bah bien, mais pas du tout! Bah faut le faire, voilà. Ah, c'est pas ça que je voulais vous tester, ça, bah, comme ça, on repart sur de bonnes. Ah, mais en fait, j'en ai que 1800. Ouais, donc non, ça sert à rien, bon, je suis désolé, on a perdu du temps, voilà, c'est de ma faute, tout est de ma faute. Laisse-moi venir! Ah, y'a un trésor! Ah, la quête au trésor! D'accord, des fonds de vie artificiels. Ok, super. On va d'abord chercher le trésor de la carte au trésor. Boum. Je suis un peu surexcité aujourd'hui, je sais pas enfin. Ah oui, parce qu'il y a le skin de Jinx qui a été annoncé avec un nouveau skin du Nidalee, voilà. Béret ferroviaire. Ou ferroviaire, je sais pas. T'imagines, c'est le béret ferroviaire parce que j'ai pas trop eu le temps de lire. C'est la SNCF. Pardon. Alyssa. You haven't had any other visitors recently, have you? Like someone called Caius, for example. The Caius entity came through recently, accompanied by a green-eyed girl. They were proceeding to the top of the tower. Ah. Yule as well? Why is she here?
Que venu faire Yule avec Caius au sommet de la tour? Ils sont venus se prostituer, pardon. Serait-elle venue nous confier un secret? Elle doit y avoir un trésor, elle est venue... Elle doit y avoir un trésor, hein, tu vois, la fille qui est obsédée par l'argent. Elle est venue cacher quelque chose, elle essaie de protéger l'histoire. Ouais, elle... Ah. Is she trying to protect time? To protect history? Do you remember? That's what Kaya said to us that time we met him in Erba. Yeah, well... If that's why Yule is here... We're in big trouble. Kaya said he entombs us in this tower and seals the forbidden history, right? What if that's the true timeline, and Yule is here to make it happen? She's already seen what is going to happen to us here. Right. Kaya said we were distorting history, throwing the timeline into confusion. If he's right, we've got to be stopped. If anyone knows the secrets of this tower, it'll be Kaya's. If it means resolving the paradox, we have to talk to him. We make the first move. Sounds good to me. Let's get our future back. Hmm. Alyssa, will you take us to the top floor? Of course. This way. C'est plus facile comme ça avec elle, hein. If a person is created artificially, do they still have a spirit? Ah ouais, parce que c'est une âme ou pas? They say spirit is a gift from the goddess. Given to humans and humans seulement aux humains. Donc elle a pas d'âme, c'est un robot, d'accord. We are studying contradictions, with the freedom to make mistakes and the will to. Oui, c'est ce qui est en bas pour ceux qui n'ont pas compris. And we owe all that to our spirit. S'il te plaît, est-ce que tu peux te dépêcher? So the legends tell us. Faut juste faire this way, please. Voilà, faut juste lui parler parce que sinon j'allais chercher le bouton, tu sais. Bon bah on avance pas. Pour être en minute de jeu. Ah, j'adore cette musique. What's happening? Is this a paradox? You'll see what's happening. What is this? No. Bon, ça c'est avant le boss, on va se faire quelques petits mobs avant, voilà. Wow, ah c'est bien. Oh putain ouais, là on est vraiment, on a vraiment la sensation d'être comment dire, d'être un peu dans la merde. Non mais c'est ça en fait que je trouve ça génial. Non, c'est vraiment ça, ça tangue et tout la caméra. C'est un peu Michael Bay là qui prend la caméra là. Fucking Michael Bay hein. Michael fucking Bay pour les intimes. J'ai beaucoup de... J'ai pas vu mais j'ai beaucoup d'attaques en fait. Attention, coup spécial. Oh j'ai poussé ça dans tous les sens. Franchement j'ai pas vu ce qui se passe. J'ai poussé ça dans tous les sens, j'ai vu que ça marchait, bon je fais. Hop, vous allez voir à quel point c'est cool. Voilà, là je vais vous montrer. Voilà, ça fait ça. Vous avez vu, on s'est fait soigner. Je trouve ça génial. Et il nous sauve. Ça par contre c'est un super truc. Moi je vous dis, ayez un flan vanille dans votre... Ah non, c'est... Oui, flan vanille, c'est ça. Attends, je vais voir son nom. Hop, comment ça s'appelle exactement? Un flan vigie. Ayez un flan vigie dans votre équipe. D'ailleurs, c'est génial pour tout. Hein. Même si je suis en mode facile, vous savez à quel point je galère sur les jeux, donc... ça fait trop l'habitude. Oh là, c'est bon. Il est à nous. Waouh, il s'est passé quoi là avec bon, j'ai mis un petit cristal de monstre, mais il s'est passé quoi avec le avec Noël là Oh mon dieu. What the hell was that? This was an effect of the paradox. You just witnessed an event that took place on this spot 187 years ago. Wait a minute. So you're saying the real Hope and Alyssa were murdered? Yes, after the tower was completed. Oui, Hope est mort. Wouh. Ouais. Hope, c'est la mort. Enfin. J'ai même pas envie de le sauver. I'm afraid so. J'adore cette musique. Avec le violon qui va venir après. Je peux vous mentir. Ça vient juste après. Oui, je vous cache la musique, mais j'aime tellement cette musique.
spam, hein. Technique, ma technique, hein. Le spam. Depuis très longtemps, depuis FF13. Désolé. Depuis FF13, c'est comme ça. Mais c'est vrai que sur FF13, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est vrai qu'on réfléchit plus. Dans celui-là, en facile, on réfléchit pas. Vous avouerez que ça ne sert à rien. Hop. Allez, soignez-nous. C'est bien. Regardez comment c'est classe. C'est trop bien. Hop, c'est reparti. On les bait, hein, j'ai envie de dire, hein, on les piège et tout. On est vraiment trop fort. Je suis vraiment trop fort. Vous ne jouez pas, vous regarder, je vous rappelle. Hein. Hein, vous avez votre misérable souris et votre misérable clavier de Leader Sprite. Moi, je suis sur ma fantastique console avec ma fantastique manette. Moi, je... Le gars, trop chiant. Ah, il se débrouille bien, mon petit familier, là. Au moins, il meurt pas comme le petit druide que j'avais à chaque fois. Ah, vas-y, attaque-le, bien. Attention! On fait n'importe quoi avec les gâchettes. Ah voilà. Là c'est une bombe. Oh yes. Oh bon, il a mis en choc, je trouve ça bien. Hop, super. Yes. Je joue 3 étoiles, ouais, je pense que c'est à force de spammer. T'sais. Le jeu s'en branle. OP mort, yeah, yeah, OP mort. Hey, hey. Broken Falci was created by a broken artificial intelligence. Humans were betrayed, and then they were wiped out. And the duplicates were mechanical puppets that were built to hide what happened. What? Oula, c'est quoi ces droïdes là? Encore. Alors lui, il me saoule, hein, le grand. On va l'appeler le grand con. C'est franchement les musiques d'FF13, je trouve très belles. Même la série FF13, surtout celle de Return of the King, vous allez voir dans une ville qui s'appelle Luxerion. Même dans tout, hein, dans le désert et tout, c'est tellement beau comme musique. J'écoute, mais tous les jours, c'est beau. Là, j'ai pris un peu cher. Ça devrait aller. Hein. Hop, voilà. Regardez comment on est fort, j'ai envie de dire, on est vraiment fort. Go, go, go! J'adore qu'elle fait ça, elle saute et elle tire et puis ça met le mob en hauteur, je trouve ça vraiment. Est-ce qu'elle va le refaire? Regardez bien Sarah. Yes, elle l'a fait! C'est très très classe. Oh là là. Franchement, c'est classe. Bon, moi, je sais pas pourquoi elle utilise rune alors qu'elle a des flèches, mais c'est pas grave. Je suis toujours demandé ça. Alors, regardez là, elle fait. Là, elle l'a eu, puis elle l'a eu avec son attaque sautée avec l'arc, et puis hop, après elle utilise rune quand elle est en hauteur. J'ai jamais compris. Voilà. Hop. Ah, j'ai refait pour le luxe quand même. Oui, beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu prends pas pourquoi tu prends pas Noël en perso? Parce que Noël, pour moi, il n'est pas charismatique. Il est. Sa personnalité se développe que dans FF13 Return Lightning. Voilà. Ou Lightning Return, voilà. On en parle du chargement d'amour, voilà. You've seen the forbidden history. People who know too much have to be buried. It stopped moving. Merci, Captain Odious. Pardon. Looks like they closed the door on us. Oh. On dit pas qu'on doit encore marcher. Ah, je pensais qu'on. Attends. Well, now we've seen the forbidden history. Does that mean we're stuck here for good? 200 years ago, you learned the forbidden history, and were entombed in that tower as a consequence. But now you stand before me alive and well once again. What can that be if not a paradox? Do you remember what Kaya said? In his memory, the next thing that happens is... we die. That's why he acted the way he did. As far as he was concerned, we were supposed to be dead. He saw us 200 years later, assumed it was a paradox, and tried to get rid of us. But there's a way out. If we can survive now instead of dying, that will automatically change history. We can save the future. Agreed. Alyssa and Hope's fate are in our hands. It's not over yet. Not by a long shot. Ouh.
Donc oui, il faut encore... Ah bah c'est pas tout... Ah bah oui, bah heureusement que j'ai bien fait de pas continuer du coup la dernière fois. Éliminer la source du paradoxe. Oh cette musique. Alors, ils vont encore se faire chier avec ça. Ça va être le moment un peu chiant chez eux. Bon, il faut bien des moments chiants dans le jeu. Des moments bavés, ils cherchent la solution. Connard. Mais plus tard, je fais la même chose, donc c'est pas ça. Bon. Peut-être plutôt celui-là d'abord. De l'autre sens, putain. Ah, je me rappelle pourquoi la tour m'avait fait chier, voilà, avec ce passage nul. Tout me revient maintenant. Tout m'est revenu. Je pense qu'il faut faire ça chacun à son tour, c'est ça? Ah bah non, c'était bien comme c'était. Putain. Je me hais, hein, des fois je. Voilà. Des fois on se hait, ça arrive très souvent et vous le savez très bien. Là c'est bon normalement. Ouais là c'est bon. Ok, les trucs sont dépliés. Là on peut pas encore gérer ça. On ne pourra pas, je pense. Il y a celui-là à gérer. Alors. Ça a l'air d'être pas mal. Premier coup, génial. Bonne chose de faite. Et celui-là, je vais le mettre. Non, j'ai compris. De l'autre côté. Voilà, là, comme ça, normalement, c'est bon. Super. Bah voilà. On est bien là. Il y a un trésor là-bas. Je dois bien. Ah ouais, non, mais faut mettre ok. Ah non, mais copain. Ah copain. Allez, come Ag, fly, vol, CS vol, très bien. Le pauvre, un saut du silence, super. Ah. Je t'ai jeté où? Bah ok, alors là j'ai même pas le temps de les affronter, hein, d'accord. Encore toi, tu sais qu'on va pas s'aimer. Hein. T'es tout seul, tu vas me dire. Que tu nous chercherais un peu toi hein. Tu nous cherches pas un peu trop en ce moment. T'sais, moi je t'aime pas donc on va régler ça vite. Oh dang. Non, je... Lightning Karim. Bien sûr. On doit la chercher donc c'est pas elle qui va venir à nous hein. Donc, ça m'étonnerait je pense hein. Genre salut j'étais là en fait je vous observais depuis le début. Avec une fin. Ah mais tu es méchant Taki. Mais non c'est pour ton bien. Ah oui tu as raison. Voyez un peu la fin tragique là. La fin de merde. Bon, je sais comment finit le jeu, donc voilà, c'est une très belle fin, mais s'ils nous auraient mis une sorte de fin comme ça, je pense que j'aurais pété un câble. Allez, ne dis pas que tu le vois pas, hein. Faut être myope, hein. Voilà, c'est bon. Ah, parce que des fois, tu te demandes, mais coupon de platine, ah yes. Awesome, ouais, t'es toute contente. Là, ça devrait être bon. Si j'ai fait ça du premier coup, je suis très fier de moi. Ah, j'en étais sûr. Hop, voilà. Ah, t'es pas content, hein. J'ai malade mental. Oh, ok, bah là, faut vite les avoir, eux. Ah, très bien. Non, il le soigne. Non, oh, la vie qu'il lui a donné. Bon, après, il est en choc, mais waouh. Wow. Ah, lui, bientôt au choc. Enfin, comme je vous ai dit, quand ils sont deux, faut vite s'en occuper. Mais quand il est dans un épisode, j'avais dit ça, je me rappelle. Quand ils sont deux, faut vite s'en occuper. Mais ou plusieurs, mais quand ils sont tout seuls, on peut s'en foutre. Franchement, c'est pas quelque chose de très. C'est pas quelque chose de super utile quand. De focus quand il est tout seul. À part si vraiment il y a un gros boss à côté ou un gros monstre, oui, d'accord, ok. Là, faut vite se focaliser sur lui.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté les jeux que je faisais en let's play, bah surtout Final Fantasy. Et il y en a un qui m'a dit par message, je fais le jeu en même temps que toi. Donc c'est un peu chiant parce que je sors une fois par semaine. Et il m'a dit qu'il se réglementait. Tu sais qu'il s'en foutait, il voulait faire ça avec moi quoi. Ah merde, j'ai mal tourné le truc du coup. Donc et ben une grosse pensée à lui parce que bah waouh, moi je pense pas que j'aurais la force d'attendre qu'un let's player fasse j'aurais pas la force d'attendre chaque épisode. Oh mon dieu, sois vigilant. J'aurais pas la patience pour finir le jeu en même temps que le let's player. À part s'il sort tous les jours un épisode, mais moi j'en sors une fois par semaine. Je lui ai dit ça te dérange pas, il me dit non et tout. Comme ça je vis le truc avec toi et j'évite de faire des conneries aussi. Il m'a dit. C'est peut-être aussi pour ça, hein. Parce que il veut juste pas être bloqué dans le jeu, il a la flemme d'acheter le guide officiel, hein. Ou la flemme d'aller sur internet. Alors, on est flemmards. Je suis désolé. Je t'aime beaucoup. Oh, mais comment il se fait défoncer? J'aime bien notre familier là qui, avec ses points là, c'est pas mal. Oh, on a même pas mis en choc, il est déjà mort. On s'en fout, hein. On est des thugs, hein. Je touche pas à mon Nawel, hein. Même si c'est fini. Non. Allez. Allez, moitié de vie pratiquement. Plus de la moitié de la vie, c'est bon. Ouais, c'est simple, hein. Là, on est bien. Là. Mais j'ai fini le jeu aussi en normal, la deuxième fois. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur en normal. Hein, waouh, là, c'est très facile, hein. C'est toujours assez simple. Ah non, t'aurais pu donner un dernier coup. Le familier était un peu décidant, quand même. Non, on a tout compris, hop, hein. Surtout que je parle pas très bien anglais. Mais en japonaise, non. Parce qu'ils sont pas disponibles sur ce jeu. Et dans FF Return Ethnic, ils y sont, mais je les mettrai pas. Parce que je suis habitué aux voix anglaises, en fait, dessus. Je trouve ça super bizarre. Mais... Donc là, c'était bon. C'était celle-ci qui était pas bon. Voilà, là, ça devrait suffire. Voilà. Super. On peut passer par là? Non. Ah bah c'est... Bah non, on peut pas. Ah, péché! Oh, putain. Je vous avais dit, là-dedans, on XP beaucoup. Oh, regarde, là, il est tout seul, Flanvigil, on va pas le focus, parce que les loups... Ça m'est... J'appelle ça comme ça, hein. Je dis pas les noms exacts, parce que j'en ai rien à foutre. À part pour les chocobos, parce que je trouve ça trop mignon, c'est un peu le truc de la série. Mais si on va là, quoi, moi, j'appelle ça un loup mécanique. Il a des mécaniques. Hop, voilà, il fait en manier à la fin. Comme il fait très peu de dégâts, mais il soigne beaucoup, bah... Pff, quand les ennemis sont pas puissants, autant y aller, hein. Faire un court FF13-2, hein, c'est jour, hein. Faudrait que je le fasse, hein. Too easy. On dirait quand tu finis une game de League of Legends. Trop easy, hein. En fait, t'as galéré toute la game. Oh, mon dieu. Ah, putain, alors là, j'ai loupé un trésor qui était juste là, bon. Bah, pas vu, hein, voilà. Ça arrive. Talisman sanglant, bah, faudrait que j'équipe ça aussi. Je n'équipe pas beaucoup. Dans FF13, j'en équipais beaucoup parce que je savais que c'était très dur, mais j'ai fini FF13-2 sans rien équiper la dernière fois. Donc, on va essayer de les éviter un peu parce que ça commence un peu à me saouler. Je vous avouerai, voilà. C'est vrai que je voudrais bien avancer aussi. Voilà, on est mieux là. Franchement, j'ai vu un coffret, un bundle que faisait Cash Converter, attends je fais de la pub, 10€ FF13, FF13-2 et Return Lightning. C'était un bundle, comme ça il le vendait 10€. Alors, je demandais, attends, il devrait trier au moins Return Lightning, le Return Lightning coûte encore 20-30€ en occasion. Et j'ai demandé, si j'aurais dit que j'avais déjà le jeu, je voulais juste savoir si les CD étaient rayés ou pas, parce que ça me paraissait bizarre. Je me dis, ouais, pas de problème, il a montré, bah, tout neuf. Les trois jeux tout neufs, hein, surtout Return Lightning, je me dis, il doit pas être neuf du tout, bah non, pas du tout. Et franchement, 10€, il est pas encore parti, c'est fou, hein. Ah, je trouve ça complètement fou, donc si vous habitez à Vannes, hein, bah, ou vous êtes près de Vannes, moi j'habite près de Vannes, allez au Cash Converter, et bah, 10€, et je suis allé hier, il y a encore. Et j'ai trouvé FF10-2, mon dieu, 5€ FF10-2. 5 fucking euros FF10-2, comme ça je complète, comme ça j'ai FF10, FF10-2, j'ai FF12 et la seule FF13. Je suis bien. Carte d'assez 52. There we go. Voilà. Je pense qu'on a réparé l'ascenseur.
Information cassée secrète. Au cours de la décennie qui suivit le lancement du projet Photophancy, un conflit a éclaté entre l'intelligence artificielle et ses créateurs humains. L'IA insista pour que le Protophancy soit doté de tous les pouvoirs d'un Falcy. Mais les scientifiques argumentèrent que les fonctions de ce combat les plus dangereuses étaient superflues. Sans perspective de compromis, le projet allait être annulé. Alors, vous devez me prendre pour un con, oh mon dieu. En l'an 13 AC, le directeur du projet, Opetstein, fut assassiné. Op est mort. 1, 2, 3, 4, 5. Op est mort, tu l'as bien mérité. Tu nous as fait chier dans FF13. Tu me fais chier. Crève la bouche ouverte. Crève la bouche ouverte. Crève, crève. Tu sers à rien. Tu t'habilles comme une merde. Tu t'habilles comme une merde. Va faire du boomerang avec ton chien. Tout seul. Eh hey Noël, en fait, le boomerang, c'est comme le frisbee. Mais pour les gens qui n'ont pas d'amis. Edouard Arjan. Le protofalsif fut finalement doté du pouvoir de changer les humains en science. Mon dieu. C'est bizarre, je voulais l'appeler la mort de ouf. Je suis désolé. Oh, l'esquive. Oh. Est-ce qu'on appelle ça de l'esquive, s'il vous plaît? Ils ont même pas pensé à m'attaquer. Je suis trop fort. Parce que ça commence à pas devenir chiant. Et vous inquiétez pas, je vais pas finir bloqué comme dans FF13, où je devrais fermer pendant des heures dans une même zone. Non, ici, on s'en fout. Bon. Franchement, là-dedans, on s'en fout vraiment, donc... Bon, faut quand même les attaquer. Bon, voilà, quoi, t'es pas obligé de faire ça à chaque fois. C'est ça qui est bien. On est déjà à 28 minutes de vidéo, donc c'est très bien, on a bien avancé. Oh, putain, comment c'est... Ah, regardez, là, on se nourrit au milieu d'une flèche. Je trouve ça un peu con, c'est plus stylé avec des flèches. Bon, après, c'est parce que je suis en attaque. Ouais, même en ravageur, je crois qu'elle était ça, celle-là. Hop, voilà. Hop, super. Pardon. Je commence à devenir un peu fou. Bah alors, avance. J'ai un peu bloqué. Putain, je suis trop habitué quand t'as fait une jonction, je me rappelle plus comment il s'appelle ça. On a des trucs qui nous permettent de... Ok, j'ai même pas pu faire A pour les attaquer. Qui nous permettent de flotter. Et c'est trop bien, tu flottes et puis t'es en or en fait. Je trouve ça trop classe. Est-ce qu'il y a un problème? Ouf, comment il s'est loupé, oh. C'est con, hein, moi avec mon arc, je me loupe jamais. 100% de précision. Je suis un putain de Pokémon avec précision plus. Je vois ça plutôt comme ça. Il meurt ou pas? Non, il meurt pas. Et sur la fond, c'est mon familier, les petits sbires, les petits mini-droïdes, les petits sbires. The summoner was disconnected. Aïe. Tu vas arrêter, ouais, merde. Merde, quoi, s'il te plaît. Est-ce que tu me respectes un peu en 2015? S'il te plaît, sérieusement. Non, mais ce qu'il m'a mis, il m'a pas trop respecté, là, j'ai pas aimé. Voilà. Bon, on a toujours 3 étoiles, on s'en fout. De toute façon, boss final de FF13, on a fait les 5 étoiles partout, mon dieu. Sans recommencer une seule fois. Oh mon dieu, j'étais trop fort. J'ai bien farmé, surtout. L'étage 52. Bah putain, bah heureusement qu'on fait pas tout à pied, hein. Parce que si on devait déverrouiller des trucs et tout, je vous dis, les j'aurais fait, je pense, 30 épisodes avant. Ah, c'est tout. On dort comme... Non, c'est une blague. On peut... This is great. The artificial intelligence that killed Hope and his team now seems hell-bent on killing us. So you don't think the Protophalcy and the other AI are being controlled by Caius? No, I don't. Someone else is pulling the strings. Libre choix. Qui peut bien être responsable de tout ça? Je crois quand même que c'est Caius. Pourquoi tu es innocent, Caius? C'est comme une affaire de meurtre. L'intelligence artificielle elle-même?
Ouais, ça, j'aime bien ça. Couldn't the culprit be the artificial intelligence itself? What if something that humans created found a mind of its own? So you're saying a machine learned to think for itself? Then it wouldn't need anyone at the controls, would it? We should search for the AI mainframe. Maybe we'll find out what's really going on. Coupo? Oui, Coupo. Oh mon dieu, oh putain. Oh, j'en peux déjà plus. Après, il y a 30 minutes de vidéo là, mais là, c'est bon, hein. Oh putain. Bon, c'est le dernier étage du moins, donc c'est bon, on est sûr, mais... Ça commence un peu à être chiant. Donc ok, faut aller là-bas. Il y a un trésor là-bas. Ah! Le trésor bien gardé. C'est reparti. Ah ouais, là ils sont deux par contre. Faire attention. Oula, ok, ok. On se calme. Allez, mon petit chocobo! Oh, avec un magnifique truc de haut là qui fait n'importe quoi. Très bien. Je crois que j'ai changé de leader. Voilà. Pardon, voilà. Je préfère être comme ça. Voilà, hop, on appuie sur rien avec lui, hein, voilà. C'est, on appuie sur rien, c'est hop, voilà, on est soigné. Je trouve ça vraiment trop classe. Hop, ah, j'ai quand même une vie. Hop, allez, c'est parti. Toutes les finish spéciales du monde. Alors, un truc tout simple avec lui, comme c'est que des trucs à gâchette, vous tournez le joystick dans tous les sens au maximum. Vous allez voir, ça marche à chaque fois. C'est ce que je viens de découvrir, donc voilà. À l'instant. Bon, allez, on va essayer comme ça. Oh mon dieu, ça marche. Avant de le dire, je préférais le faire en silence, comme ça. pour être sûr de pas tomber fail. Bah, pas du tout. Je suis très content. Attention. C'est bon. Super. What's up next? Hop, super. Donc le trésor a pas oublié, hein, parce que... Voilà quoi. Ah, orbe de vie, génial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller... à celui-ci. D'accord. Bah, j'ai pas besoin de tourner, si? Attends, on va voir ça. Ça m'étonnerait que j'ai pas besoin de tourner. Bon, je préfère aller voir au cas où. Je pense qu'il faut peut-être tourner. Ah, vous voyez les dragonniers, c'est ça qu'il me faut. C'est ça, voilà. Alors ça, c'est l'arme ultime que vous voyez les dragonniers là. Ça, c'est un super truc à avoir. C'est ça mon familier que j'avais. C'est super puissant. Je vous jure, c'est très très puissant. Putain, par contre, avant, on va attaquer les fleurs vigiles. De toute façon, on n'arrivera à rien. Ah oui, mes amis, ça c'est super puissant. C'est ça les dragonniers. Voilà, je recherchais le nom. Bah voilà, c'est ça. C'est très puissant l'attaque spéciale là qu'on fait avec les gâchettes ou les touches, c'est super. Franchement, c'est un des meilleurs familiers. Bon, on va arrêter de voilà, il est en choc, c'est bon, il va arrêter de prendre. Putain de merde! Voilà. Maintenant l'autre. Et après, je vais remettre de la vie à tout le monde, ça va faire du bien. Alors, on fait quoi maintenant, Fort Vigile merde? Voilà. Merde! Non, Noël! Wouh! Bien! Attaque là, ouais, je vais. Bon, regardez comment ça s'ouvre, c'est pas mal, hein. Je pense que c'est aussi pour un peu remplacer, pour un peu remplacer le duo Lightning, selon moi, hein. Un peu pour remplacer le duo Lightning Noël, Lightning Hope. Quand ils sont tous les deux en train de soigner, ils soignent très très vite parce qu'il y a un lien qui, ils ont un lien précieux entre les deux et c'est super. Ah, je prends des coups. J'espère la voir en cristaux, aller un petit peu... Ah bah non. Bon, bon bah merci, hein, bâtard. Pardon. Je pense qu'on va recroiser de toute façon. Oui, j'avais dit que j'allais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Trop facile sinon. Là, c'est... D'accord, super. Merci beaucoup. Square Enix, hein, bisous. Ah, c'est bien, les dragonniers, j'espère qu'il n'y a pas les fleurs vigiles. Ah putain, ils sont là aussi. Là c'est un peu la quête. Oh mon dieu, on s'est pris des coups. Là, c'est un peu la quête du familier là. Et puis après, on les a vraiment tous et j'en change. Vous allez voir pourquoi. Ah bah là, je suis tombé.
J'ai pas bien tourné mes trucs, non, je dis que je tourne, mais j'ai pas tourné. Ça va aller. Ah, oh, il est même pas mort le plan Luigi, c'est sérieux. Ah, parce que depuis tout à l'heure on attaque le dragonnier, d'accord, bon, on va faire ça mieux. Ah, non, voilà, j'en veux, voilà, je vous ai bien. C'est reparti. Allez, sur le plan Luigi, en choc, c'est parti. Allez, bordel de merde. Mon dieu. Voilà. On est bien. Wouah, comment il s'est loupé le plan Luigi là. Ah bah, lui, le dragonnier s'est pas trop loupé sur ma gueule. Super. Allez, au dragonnier, on va se faire tir au niveau. Voilà, très bien. Ça, c'est bien. Je me dis, c'est génial. C'est Shangyan. Non, mais c'est Shangyan. On lui fait très mal. Voilà. Très bien. Ça fait mal, ça fait mal. Donc ça pourrait chercher un trésor, bon, au moins que j'ai le cristal avec le dragonnier, parce que comme ça je le mets, vous allez voir quand même quel point ce familier est classe. Quoi. Ah putain, j'ai pas encore. J'ai pas beaucoup de chance de drop sur ce coup-ci, donc alors attendez. Il y a un truc là, donc attendez, il faut passer. Ouais, avec la carte ça va être mieux. Alors. Ouais, il faut que je fasse le tour et que je passe. Ok. Voilà, comme ça. Ah, pareil que pour la. Putain, on a fait un aller-retour en fait pour rien. Je suis un peu dégoûté là. Et puis au même endroit! Putain! Ah, les deux. Putain, mais je vais péter un câble, hein, je vous le dis. Mon dieu, j'espère que vous vous ennuyez pas trop, c'est vrai que je... Là, c'est un peu la partie chiante d'FF13-2, il en faut bien une dans tous les jeux, bah c'est la tour, Augusta, dans ce jeu-là. Mais il m'a même pas... Ah si, d'accord, il m'a même pas fait de dégâts, j'attends. Bon. Il les a mis après la Pikachu Mecha, là, on va appeler comme ça. Le Pikachu Mecha, Mecha Pikachu, ouais, Mecha Pikachu. Ouais. Mecha Pikachu, c'est un très bon nom, je garde. On garde. C'est sérieux, il me reste un... Bah... Par contre, c'est classe comme ennemi, hein. Putain, depuis FF13, on les a, c'est très classe. Bon, je crois... Non, on les a plus dans... Si, on les a dans Return Like Me, mais ils sont pas super puissants, je m'en rappelle. Ou s'ils sont pas super puissants, c'est qu'on les a plus. Je me rappelle plus de ces ennemis-là dans Return Like Me. Il y en a tellement des nouveaux. Ah, voilà, ça marche, hein. Il y a tellement des nouveaux dans Return Like Me. J'ai hâte de le faire en Let's Play, franchement. J'ai vraiment très très hâte de le faire. Hop. Voilà, t'es mort. Et oui, je vais faire Type 0 en Let's Play, hein. C'est obligé à faire Type 0. Vous aurez aussi une grosse vidéo découverte de toute la démo de FF15. Ça, c'est sûr, avant de jouer à Type 0, je joue à FF15, bordel de merde. Ça, c'est complètement sûr. Hein. Je vous avouerai que... Ça paraît très bizarre si ça aurait pas été sûr. C'est un dragonnier? C'est un dragon... Non, c'est pas un dragon... Bon, je fais ça pour rien encore. Hein. Bon, pour l'XP, vous allez me dire... C'est reparti. Je vois, pendant les premiers tours, on peut attaquer très rapidement avec un item que j'ai. Ça, je trouve ça bien. Contre les boss aussi, c'est pas mal, les deux. Enfin, on peut toujours se buffer pour l'avoir, mais là, on a le buff... on a eu le temps de tuer un ennemi comme ça, quoi. On a le buff très rapidement, quoi, donc ça c'est cool. Pour les boss, c'est très bien. Surtout pour les débuts de boss, d'avoir ça, c'est très bien. Noël qui prend beaucoup de qui prend bien cher. Hein. C'est vrai, elle prend jamais rien, pratiquement pas pour un dragonnier, je sais pas pourquoi. Mais par contre, Hope, il prend un peu tout dans la gueule. Hope, Noël. Il prend un peu tout dans la gueule. Désolé, je confonds un peu, parce qu'ils ont... Ils ont tellement pas de charisme les deux. Vous allez voir après, Hope pour moi a plus de charisme que Noël dans cet épisode-là. Mais dans Return Lightning, Noël est vraiment un personnage que j'aime énormément. Alors attends, j'ai dit voilà. Je me perds un peu, hein. Où je me suis mis encore. Pas un truc actif. Ah, dragonnier, enfin. Ah, avec deux flancs vigie, c'est ça. Ah non. Ah, d'accord, là ils sont trois. Ok.
plus dans... Regardez, celle-là, elle a tout pris, mais les autres, pratiquement pas. Par contre, là, ça va aller vite comme... On a... On... Ah bah non, non, j'ai plus de buff, là, c'est pas dommage. Par contre, je vais vite me soigner, parce que... Voilà, voilà, merci, mon ami. Thank you, tu m'étonnes. C'est trop bien comme famille. Et le boss final a tendance à bien... Ah oui, j'ai Christo, regardez, il est là. Oh, ok, bon, maintenant, on va avoir une putain d'équipe. Ah, moi, je vous le dis, là, on va avoir de la bonne équipe, là. Je mettrai après parce que je suis assez pressé de finir, 40 minutes déjà cet épisode, je voudrais bien battre le boss de fin quoi. Allez, on se dépêche, on se dépêche, là je commence vraiment à en avoir marre. En avoir marre. C'est très mal indiqué. Ah voilà, bah, bah, le gars très mal indiqué, c'est juste moi qui a fait le coup. Voilà. Là c'est mieux. Tout est dedans donc c'est bien, hop, je joue mon dragonnier, là je suis content par contre. Je vais le retourner encore une fois. Ah voilà, c'est bon, d'accord, ok, c'est bon, c'est bien ça. J'en étais sûr. Alors, je vous ai déjà, je commence à avoir, en avoir marre là. Allez, un peu. Je suis désolé. Oh mon dieu, ils sont trois. On va faire ça vite comme ça. On bat le boss et l'épisode est fini et on avance bien dans le jeu parce que c'est vrai que là c'est une partie très chiante. En plus, deux épisodes. Le premier épisode ça a duré 40-45 minutes et puis là, celui-là va durer un peu plus d'une heure, je pense. Comme c'est parti. Comme ça, je, comme il est quelle heure là, il est 16h35, voilà, je compresse ma vidéo et puis je la mets uploader vite fait juste après. Et comme ça, quand je me réveille, elle est uploadée, j'étais en PC et je pars malheureusement en cours. C'est chiant, j'aime pas du tout. Ça sert, mais j'aime pas. Touche une classe de merde. Hop là, faut pas le dire. Oh le mec. Voilà, donc cette fois, est-ce qu'on peut appuyer dessus? Merci! Bordel de chiottes! Voilà, génial! Ah mon dieu! Pour faire un tour. Encore un tour, désolé. Voilà, bah, sinon on pourra pas y aller. Ah, c'est maintenant, non, mais non, mais non. C'est ça que je voulais faire. Bon, bah, encore un tour, hein. Désolé. Il y a des fois où on a envie de, je sais pas, de partir au loin et de se dire qu'on est complètement con. Ah, ça serait très bien. Bon, j'ai pas pris le trésor, c'est bon, j'en ai marre là. Faut vite qu'on avance. Oh mon dieu. Je vous jure, des fois j'ai envie d'arrêter de jouer et me dire oh t'es trop con Johan, t'es vraiment débile hein, merde. Oh mon dieu, je suis désolé. Oh bah lui il m'a un peu stun là on dirait hein. Oh, ok, là on a les gods là on a les trois ennemis principaux de la tour Augusta, complètement ça. Bon ça va, comme ils sont pas plusieurs de chaque, bah c'est plus facile. Par contre, ils me déstabilisent comment ils bougent le méca Pikachu là. Arrête, méca Pikachu, on va pas s'entendre hein. Oh, damn it. Camille, je commence à devenir fou en fait. Oui, je me bave jamais, c'est juste des mobs comme ça quoi, je suis en facile, ne vous inquiétez pas. Par contre, on va faire un petit renouvellement, ça va être cool, l'objet que j'avais. Hop, et on va repasser comme ça. Voilà, on est full beam. C'est classe, hein. Ah, je vous dis, pour les boss, ça vous sauve ce family, mais c'est bon, c'est bon.
Voilà. Lui, ça va aller vite. Parce que lui, il a pas énormément. Il est pas très robuste. Il est pas si robuste que ça. Bon, je vais quand même mettre le familier, comme ça vous allez voir ce que c'est. Ce que c'est en familier, c'est génial. Voilà. Super. Alors, stratégie. Familier, on change lui. Voilà. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Hein. Ça, c'est classe. Voilà, je préviens. je préviens. Le préviens d'âge. Drôle. Hop. Et je passe en ravageur. Voilà. Vous allez voir, c'est, franchement, le dragonnier, c'est vraiment un super truc. Vous allez bien voir, de toute façon. Allez, c'est reparti. J'augmenterai après. Attendez. Hein? Ah ouais, mais c'est pas accessible. Attendez, attends, celui-là, attends, je crois que j'ai compris. Non, allez, putain! Ah, ça m'énerve. Ah, là, c'est très chiant. Donc... Ouais, en fait, j'ai envie d'avancer. Voilà. Voilà. Je suis bloqué. Quand je vous disais que j'aime pas cette tour du tout. Parce que regardez, là on a tout fait. On a juste pas visité ici. Mais tu veux faire comment l'entrée? Regardez, l'entrée est sur l'autre côté. Et il n'y a pas. Attendez. C'est pas comme si on avait un maxi repousse à la Pokémon pour les monstres, là non, ils sont juste chiants à mourir. Hop, voilà. Par contre, ça c'est dur à esquiver parce que ils vont très vite. Noël, occupe-les, c'est très bien ce que tu fais. Voilà. Je crois qu'il y a un truc à bouger là-bas. Je suis en pleine séance de réflexion. Je vois que là c'est un peu la dèche. Parce que celui-là ne se tourne pas. C'est ça le truc qui est fou. Mais si! Attends, mais si il se tourne! Putain! Je suis désolé, on a perdu du temps. Oui, oh là, j'ai eu un petit problème avec ma gâchette. La manette commence à se faire vieille, hein, ça faut le savoir. Attendez. Du coup, je vais où? Pour rentrer là-dedans, ouais, bah, faut que je passe par là. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolé. Ah, j'ai compris, c'est bon. Ah, putain! Bon. Ah, là, j'en ai marre, hein. j'en ai marre! Ça, c'est ces trucs chiants là, ils repopent tout le temps là. C'est pire que des Pokémon dans un safari. Hein, c'est. Putain! Il meurt, FDP, je suis coincé, ça m'énerve, j'aime pas ce niveau, putain. Heureusement que le boss est passé, je me rappelle bien.
Ah, c'est assez puissant, voilà, hein, voilà, ça c'est mon, voilà, c'est mon méca qui a fini le mob, hein, voilà. en lui tirant des rafales. C'est pour ça que je trouve très classe aussi, hein, voilà, j'avouerai que... Bon. Genre, des fois, je hais ma vie, des fois, tu dis, putain, mais je suis trop con, mon dieu. Encore une fois... Voilà. Comme ça, on va prendre le trésor. On passe devant lui depuis tout à l'heure, mais on le prend jamais. Ok. J'avais juste ça à faire, hein, voilà. Ah mon dieu, des fois, t'as l'impression que le monde te hait. C'est fou, hein. Putain. Ah, je suis désolé, mais là, j'en peux plus, là. Franchement, si vous avez pas joué à ce jeu, vous pouvez pas comprendre à quel point notre Augusta c'est très chiant. Putain, la IA qui veut te tuer ou je sais pas quoi, mon dieu. S'il te plaît. Laisse-moi un peu respirer. Et puis ces mobs qui, voilà, qui repop, hein, qui repop et qui repop. J'en ai un peu marre, hein, voilà, c'est pour ça. Elle va te faire foutre. Non, je prendrai pas le trésor, je veux finir. J'en ai marre. On va à la dernière, on va au dernier étage, on fait le boss de fin et on finit l'épisode. Ah mon dieu. Allons-y. Wouh. Oh merde. T'es sérieux? Ah putain. J'aurais été sûr en face où il y a des meubles, hein. À la con et tout. Bah là on peut retourner, normalement ils vont pas de trop tôt. Dégage. Voilà. Vite, vite, voilà. Je peux plus, moi. Ah, c'est juste une... Putain. Ouais, ouais, c'est bon. On lit pas, on sait très bien ce qui se passe. Hein. Ouais, on sait que ça a l'air qu'il est, c'est bon. Allez, au sommet de la tour, c'est parti. Il va bien, Noël. Oh, oh. Ah putain. Bon, voilà, on est 4 en tout. Hein. Ouais. T'as 52 minutes déjà. Je me suis dit, oh, il va durer 45 minutes. Je suis pressé la fin. Bah, pas du tout. C'est pas que je veux faire un épisode court ou que j'ai pas le temps de faire une vidéo. Non, j'ai vraiment le temps. Mais c'est que l'upload, j'ai vraiment envie que ça soit rapide pour que vous la voyez assez rapidement. Surtout comme j'ai fait une vidéo sur la chaîne communautaire, ben c'est vrai que je suis un peu en retard, j'ai dit quand je fais une vidéo une fois par semaine, c'est vrai que là du coup il y a eu un ou deux, trois jours de retard, du coup bon c'est pas si grave que ça, mais moi ça m'énerve, j'ai envie que vous ayez un truc toutes les semaines. Là elle est, hein, bien sûr. Allez c'est reparti. Et c'est ça, oui, on va pas se tromper hein, Skydiz. Voilà. C'est ça. Je regarde bien mon environnement avant de faire une connerie. Allez, putain, attends. Voilà. Hop. Ah, putain de ta mère de te... Voilà. Non. Non. Non, surtout pas ça. Là, franchement, là, je pense que j'aurais pas lancé ma manette, hein, voilà. Mais vraiment, hein, j'aurais... Bah, au revoir, hein, le monde, hein. Au revoir, le monde. Mais qu'est-ce que tu fous, au revoir le monde. Allez Noël, je pars sans toi, salut. Ah bon, t'es pas drôle. T'es pas drôle du tout, hein. Je trouve pas drôle au point, voilà, je préfère te dire. Quand les portes, c'est quand même sécurisé, hein, quand... Quand tu peux pas, quand t'as pas un truc qui contacte la porte, bah il s'ouvre pas, c'est bien comme ça que tu tombes pas dans le vide, quoi. Pour les employés, je trouve ça cool. Qu'est-ce que je suis recensé faire? Ah bien. Je aime vivre cette tour, Augusta! Mon dieu, elle est chiante cette putain de tour! Damn it! Pardon? Je suis sûr, j'avais même pas besoin de tourner la. Ouais, bah oui, j'avais même pas. Putain, j'avais même pas besoin de tourner, bordel de. On va se calmer, hein, on a presque fini, on monte au dernier étage, on bat un boss, on finit l'épisode, je suis content. Puis je mange une Nutella, parce que voilà, j'ai envie de Nutella. Putain de merde, non, on va pas chercher le trésor, allez vous faire, hein, j'en ai marre.
Oh mon dieu. Allez, tourne-toi. Voilà. Pas de pop de monstre, pas de pop de monstre. Allez, pas de monstre, pas de monstre. On fait ça vite fait. Ah putain de merde. Je l'ai vraiment. Voilà, super. Ah, c'est bon. Ah, wouh, 55 minutes pile. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, non mais... C'est quoi 5 minutes pile? Allez, 5 minutes pour battre le boss. Tout ça cinématique et des cinématiques, bien sûr. Ah, le boss. Mais non, c'est pas le boss, hein, putain, ils nous mettent un truc avant. Oh putain. Ah, j'en peux plus. Non, pas pour Hope, on s'en branle. Tiens que je le hais. Eh, mais là, j'en ai marre. Bon dieu de merde. Sainte Marie des dieux. Parce que je sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en fous. Allez, c'est reparti. Ah, ça fait quoi quand j'ai mon putain de familier, bâtard, en fait. Putain, mais arrête de cancel mes attaques. Il va être rapide à faire, mais je pense. Ah non, il se met de la vie, bien sûr. Hein. Comme dans FF13, ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, 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 bien sûr, ça me rappelle, la séance XP interminable que je m'étais fait sur FF13 pour finir le jeu. Putain. Donc j'avais une tactique pour me faire transformer parce qu'ils étaient deux et je savais vraiment bien le faire. Allez, c'est bon, t'es mort. Allez, allez, salut. Je dis, mon, le familier est génial. Voilà. Un mini-boss pour rien, c'est reparti. Un mini-boss pour rien plus tard, Johan commence à péter un câble. Ah, s'il y a des monstres qui pop. Ah non, c'est. Choco-chocoline là. C'est beau. Ouais, voir Chocolina. Anyway, je suis pas humaine. Open up that wallet and... Ah bon, elle est pas humaine, attends, je viendrai. Ah ouais. Oui. Bon. Arc de fureur, arc enflammé, si je vends, je pense que j'ai les mêmes. Oui, j'ai les mêmes. Donc non, elle a rien de nouveau en armes. Non, rien de nouveau. Juste voir, juste acheter. Queue de phénix. J'ai combien de... Ok. Juste en prendre 4. Voilà, génial. It's really... Allez, c'est reparti. Ah, peut-être que... Oh, la sauvegarde. Voilà, la sauvegarde de l'amour. Voilà. Allez, c'est beau. Par contre, c'est fucking bien rendu. Ça, ouais, non, là par contre. Ah, ils ont fait un très beau travail, Square Enix, là. J'ai pas un boss? Bah si, je me rappelle très... Ah, Yuna. You all, are you on your own? I brought you this. Ah, c'est gentil. Why? What should we do with it? You must protect the timeline. I saw you in Erba. I trust you. I believe in you. We're in the same time as when we met in Erba. So you're the same Yule. Ah. But who are you? Who are the Farseers? I am the Seeress of the oldest tribe on Pulse. My visions of the future are recorded and stored in the Oracle Drive. But that is long in the past. There is no more need to record the prophecies. I have Caius now. What do you mean? He is tasked with protecting the Seeress and remembering her visions. Now and forever, he will remember the entire timeline. Caius. He is beyond death. What? You mean he can't die ever? The Seeress possesses the eyes of Etro, and inside Caius beats the heart of Chaos. The goddess has gifted him the curse of eternity. He is a guardian, and his mission is to protect the Seeress. The power to see the future is a terrible weapon. It can turn history into chaos. But then, I don't understand. Why are you helping us? I mean, you do know we're trying to change history, right? History.
has already been broken. The timeline had been twisted before I met you. The distortion leads to a future of death and destruction. If you change the future, you can change the past and correct the distortions. The miracle that saved Cocoon has already been altered. Poo-poo. Someone who was meant to survive did not come home. Someone who was meant to survive? Lightning? You mean my sister? Voilà. You do, don't you? You're saying that Lightning shouldn't have disappeared that day. It was because the future was changed. So, if we keep traveling through the gates and resolve all the paradoxes that are happening... Yeah. If you change the future again, the true past will be restored. The past that you still remember, Sarah. Together, the two of you can correct the timeline. Did you hear that, Noel? We've been doing the right thing all along. Yes. Can you tell us something else? Someone has been laying traps for us inside this tower. Do you know who's behind it? Your enemy. It is here inside the tower. It has generated the contradictions that threaten you. The machine is sentient. La musique de Yu. Machine? So the Caius who we met earlier in Academia, he was... An imitation created by the machine. And what about the other Caius? The one we saw in the tower? He is real. He brought me here. And when we are finished, he will take me away. Hmm. Let's go. Yes, go. And please, let me see a new future. We'll do it. Good. Everyone is smiling. This is the future I wanted to see. Of every other Yule, cursed to die this way. On a appris beaucoup de choses, je suis très content aussi, vous êtes là normalement, le poste. Oui, c'est ça. Waouh, ah, c'est beau quand on arrive pas. I'm worried about Yule. Bah, elle est morte. Enfin, une des Yule. If we're going to fight, we can't afford to have doubts. She's hoping for a better future and believes we can make it. Hmm. Look, the fake Caius was sent out from this place. But where's the enemy that Yule warned us about? Bon, alors ça va aller vite parce qu'à un moment on aura une phrase à dire un truc libre et je sais c'est laquelle pour arrêter le combat. Proto-Falci. So this is what Yule meant by Ne t'inquiète pas, normalement, je m'en souviens pas, c'est pas super dur. It's the one who turned the people into Seath, and it's the one who's been trying to kill us in the tower. C'est parti. Oui, déjà, c'est vrai, il faut buter ses gros bras. Ouf. On a été Parce que je vois on a été bien des buffs là. On a mis des trucs de merde. Hop, c'est reparti. Hop. Ah là, son attaque, c'est pas mal. Voilà, c'est juste ce que ça a fait en plus. BOUM! Voilà,
vous avez pas trop vu, mais moi j'ai pas vraiment bien vu parce que il y avait beaucoup de trucs à l'action, il y a beaucoup de choses à attaquer en même temps. Donc c'est vrai que... Hop, super, il est en choc. Ok, on a pris très cher. Moi c'est très bien ça. Et on continue, on continue. Voilà, super, il est en choc. Mais c'est notre chance, t'as raison. Allez, allez, continue. Oh, j'aime pas cette musique, hein, vous le savez, cette musique de boss là, waouh. Non de la merde. J'aime beaucoup le métal, mais dans un Final Fantasy, c'est quoi. On attaque ça. On pourra le battre en un choc. Non, t'attaques pas, hein, voilà. Je t'ai dit non, voilà. Tu me respectes un peu? C'est bon, il est mort. Allez, allez. Voilà. Le méca, c'est génial. D'accord, on a même pas eu le cas. Oh, que Things 2, il m'en donne 2, super. Bah, c'est une phrase qu'il faut dire. Au moment, c'est le bouton A, si je m'en rappelle mieux. I don't understand. How did the future Protophalsi end up here? This place must be like the void beyond. A crossroads where the future and past intersect. And that would enable time travel. No, do you realize what this means? The Protophalsi could have used this place to travel through time and infiltrate the artificial intelligence. Then it could have manipulated the AI to kill all the humans in the tower and build the Falsi of Academia's future. You're saying the Protophalsi took control of the AI and ordered it to build the Protophalsi. It's a closed loop, a chicken and egg paradox. Right. A paradox is exactly what it is. The Protophalsi was trying to protect the distortion that gave birth to it. And it knew all along that it was part of the paradox. Just a sec. If the Protophalsi can manipulate the past, that means... Il peut revenir. It could travel back in time and rebuild itself. As long as the crossroads exist, you cannot defeat the Protophalsi, Kubo. Et ce sera après, on va choisir la phrase, vous allez voir. Il est pas plus fort, je suis mort, mais je garde rien, quoi. C'est tout, donc c'est chiant. Faut juste comprendre ça, les gars. C'est chiant, y a rien. Les gars, guys and girls, je fais beaucoup de filles sur ma chaîne et je vous en remercie. Je vous fais un gros bisou, un gros bonjour et les gars, soyez gentils avec elle. Et ouais, hein. Faut être gentil, les amis. Je sais que vous l'êtes déjà. Hop, attention! Voilà. Il y en a plus, c'est trop bien. J'avais dit que c'était génial. Hop, voilà, génial. Ça va, il nous fait pas trop chier, lui. Et ça va, il est pas trop buff non plus, j'ai envie de dire. On va juste se soigner un peu avant. Pour préparer. Voilà, génial. Non, t'as eu ça, saboteur. Voilà, c'est bien, il... Hop a mis bien, Hop Noël a mis bien notre con là. Putain. Vite, dépêchons-nous. Ah là là, non. What the... Ok, il a pris très cher Noël, on est d'accord. On voit qu'il est là lui, je vous dis. Par contre, il faut... Je me
doit avoir un bouclier en moins là. Ouais, super. Imagine. Ok. Ouais, ça va être dur de l'avoir en un tour. Hein. Je vous le dis, ça va être très dur. Ah, yes. Ah voilà. Ça fait mal aussi, hein. Voilà. Là, voilà. Je vous ai dit là, c'est mon coup de familier. Là, je m'en séparpille. Là, là voilà. Merde, on prend pas le bâton. C'est débile. Je pars ici cette fois. Je suis un peu déçu là. À vrai dire, oui, je suis très déçu. Ah, je suis déçu. Hop, voilà. Vous avez dit que c'est génial ce familier, bordel. Il est presque en choc. Voilà, génial. Je n'ai pas de ses bras là, je pense que ça va aller pour une fois là. Allez, allez. Il est plus résistant quand même. Je vous disais bien quand il revient, il est plus résistant. Je vous avais dit que non, mais je vois plus qu'il est beaucoup plus résistant. Là. Do it! Chocobo qui fait bien mal aussi. Au cas où, quand même s'il est presque mort, on s'en sécurise. Bah, t'attaqueras pas, ta gueule. Allez, vite, vite, vite! C'est pas vrai. Non. Il reste un. Oh mon méca! Je te dis, c'est trop bien! J'aime beaucoup les combats cinématiques. Oula! Hop, vas-y! Yeah! C'est trop, ah, c'est trop classe! Ah, mais d'accord, ok, c'est classe. Ok, my turn! See how you like this! Cinématique, combat cinématique parfait. J'ai pas eu succès là quand la première fois que j'ai fait. Putain, j'ai gère dans le lit. Attends, faut le rebattre encore. Thanks to Mog, huh? Salut. Oh là, le pauvre. You saved the day. Thank you. You did great. Ah bah c'est tout. Mais attends, mais c'est sérieux? Il y a des... Attends, mais j'ai... Vous avez vaincu un ennemi puissant avec une remarquable vaillance. D'accord. En gros, j'ai bien fait. Bon, d'accord. Oui, j'ai pépite d'or. Oui, j'ai bien dû le faire, ça veut dire. Content. This is Hope's fault. He was the one who started building these things. Protofal C and AI both. Will you listen to me? Looking around for scapegoats. These fights are really starting to wear me down. I don't blame you. Jamais ils en rigolent. Ah non, faut encore le battre une fois. Ah putain, hey, j'en ai marre. We don't stop this thing from regenerating. We're never gonna get out of here. Pour te faire comprendre que voilà quoi, c'est la mort. C'est là, il arrive plus à tirer son épée. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. Hop, va m'entendre, voilà. Hop, X, bon, c'est X. Et là, c'est bon. La machine est manipulating le passé. Mais then, there's no reason we can't either. Please, I hope you're watching this. Huh? Hope, can you hear me? I've got a bone to pick with you. These machines you built, Sarah, are driving me nuts. Ah! Et voilà. Ah, je suis pas trop fort. C'est ça d'avoir fait le jeu déjà. I didn't do anything. At least I don't think I did.
Mais la première fois que je l'ai fait, j'ai tout fait à part Hope, hein, voilà. Oh, on a vu des choses là. Genre Caius tu es Sarah. Are you all right? Can you hear me? Oh, cette musique aussi. I'm alive. Oh, what a relief. You worry too much, Noel. Noel isn't himself these days. Princess, I wonder if it's because he can't remember the future. It's understandable. No one wants to think they'll forget something that's important to them. Voilà! On a un cadeau! Un cadeau! C'est arrêté. You know something? When you get mad, you sure do remind me of your sister. Non. Be careful. She might be watching, you know. Oui, ce sera un bon futur. Bien sûr que oui, moi j'ai déjà fait le jeu, donc. Attends, on vient. Ah non, j'ai cru qu'on était rentré. J'ai dit, attends, il se passe quoi, Easter Egg et tout. Allez. Oui, l'artefact du renouveau. Et c'est là où ça va être. Ah putain. Là, on arrivait, je pense, à la moitié du jeu, parce que on a bien fait notre truc. Mais ouais, là, il va nous demander de récupérer plusieurs choses. Ça bug un petit peu, donc voilà, bah, c'est Academia, quand tout va bien, voilà, ça c'est bien. On s'emmène là-bas, je sauvegarde et boum, on finit. C'est 1h16 de vidéo, hein, voilà quoi. Heureusement que j'ai 1 heure, hein. Bon, comme ça je rattrapais mes 2-3 jours d'absence. On m'a envoyé des messages, ah, ton let's play, s'il te plaît, il me faut ma dose. Bon, bah voilà, tiens, prends ça. Prends cet épisode en pleine phase. Je suis déjà sur terre. Oui, mes blagues sont nulles, je sais. Welcome to the future, you saved. Are they real? Now, is that a polite way to greet old friends? I mean, we haven't seen each other in what? How many years? It's been all of 390 years. I guess you guys have been busy, huh? 390 ans qu'on s'est pas vu. Oh, quelle retrouvaille. Please come by my headquarters when you get a chance. You're guests of the academy. Alyssa? Later. Et ben voilà mes amis, c'est terminé cet épisode de la folie. Cette tour Augustin, on y retournera plus jamais. Je ne veux plus y aller, au moins dans la mauvaise époque. Siège de l'académie, juste devant toi, mon ami. Oui, je pense que c'est celui-là, hein. C'est pas assez gros pour que Noël le voit pas. Donc voilà, mes amis, on va sauvegarder, la petite sauvegarde qui fait plaisir. Ah, voilà, 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 c'est bon. Donc, mes amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Merci, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et on est pratiquement, ou même un petit peu plus, je suis sûr qu'on est au milieu du jeu. Et même un petit peu plus de la moitié du jeu. Donc on a déjà fait 7-8 épisodes. Donc vous comptez le double. 8 plus 8, les amis, à votre avis? Je vous laisse compter. Attention. Si vous avez trouvé 14, ce n'est pas la bonne réponse.
Non, à tous les coups, ça va s'étaler. J'ai pas envie de dire 18, 19, 20, 21, 22. On verra. Franchement, on verra. What the putain est tombé? Mais ça va? Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Alors, par contre, si je me rappelle bien, Coupeau, ça amuse les gens. Vous allez voir. Ah, bah non, bon, on voit pas. Voilà. Bon, allez. Cet épisode a déjà trop duré. Donc, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. La Skylist TV rend l'antenne. Bye tout le monde.